Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Nous allons chercher tous les débris possibles et imaginables de l'Aurora pour récupérer tout simplement un maximum de ces débris pour, voilà par exemple ici, pouvoir construire notre cyclope. Puisque c'est ce qui était nécessaire dans les lingots de plast acier. Donc on va rester dans la région le plus proche possible. Bonjour. Aurais-tu l'obligeance de bien vouloir fermer ta gueule, je parle. Merci. Mais voilà, donc il nous faudrait donc un maximum de titane pour simplement récupérer un maximum de lingots. Pour pouvoir en faire un maximum de lingots, puisqu'il faut un lingot ou deux lingots de titane pour faire un lingot de plastacier. Donc on farme le titane pour le moment. Ensuite on verra sous quelle quantité on peut en trouver. On peut prendre je crois jusqu'à 6 de ces débris sur nous, ce qui fait un total de 6 fois, il me semble que c'est 4 hein. Donc 6 fois 4, 24 débris, 24 pardon, minerais de titane, ce qui nous fait un total normalement de 2 lingots par session hein, si je puis dire. Sans compter l'énergie que cela va prendre en lag. On a deux là, c'est génial. En nous déplaçant. Y'a pas un troisième dans le coin. C'est quoi ça? Ça je sais que je vais pas le prendre tout de suite, il va me falloir le prone. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Fragment de sea glide, dommage. Là. La même deux. Ok. Ok, je suis complètement plein. On peut y aller. On rentre. Basse près. Elle est là. D'accord. Ok, donc ça c'est un premier voyage qui s'est plutôt bien passé, chers amis. On n'a pas eu d'attaque. On s'est pas fait agresser. On n'a pas eu trop de mal à en trouver. Vous voyez qu'au bout de quelques minutes, on en a trouvé. Enfin, ouais, 2-3 minutes, on a dû en trouver. Donc c'est vraiment très rapide. Le seul vrai souci, c'est qu'on va devoir se balader de plus en plus loin de la base pour tout simplement en trouver. Ce qui veut aussi dire qu'on va avoir aussi de plus en plus de mal, entre guillemets, à en trouver vu qu'ils seront un peu plus éloignés. Ok, donc là, je vais utiliser masse matière, enfin masse truc pour en faire 4 à chaque fois. J'espère que je vais pas avoir à revenir dans le menu à chaque fois, non c'est bon. En tout cas, ça se fait très très bien. Donc là, normalement, je suis à même de faire 2 lingots. C'est long. Ah, et puis il veut pas revenir dans le menu à ce moment-là. Forcément. Je dois avoir du lithium dans le coin aussi, au passage. Vous inquiétez pas, de ce côté-là... Ça doit être les vignes d'Orin. J'espère, parce que ça m'inquiète sinon. De l'or, du minerai d'argent, du lithium. Je prends un de lithium, normalement je peux faire... D'accord, parfait. Alors n'inquiétez pas, le lithium on va en trouver suffisamment. J'en regarde juste au passage plusieurs choses. Il me faut 5 lingots de plastacier, j'en ai fait un, donc il me faudra encore 4 lithium. Il fait nuit, je vais prendre le sea glide par principe. Avoir un meilleur éclairage, je vais donc absolument mieux y voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi le lithium est tout petit, il me semble. Voyez, regarde, là, il y en a deux. Voilà, ça c'est du lithium, vous voyez, c'est minuscule. Deux, mais ça prend quand même suffisamment de place dans mon inventaire, hein, vous inquiétez pas. Hein. Faut juste avoir les UV ici. Donc il m'en faudrait, j'ai dit 4, 3. Il n'y en a pas un juste à côté. Non. Si, là. Juste là, regardez. Hop. 4. C'est bon. Donc, on a le lithium qu'il nous faut. En tout cas, pour ce... Merde, je retrouve plus la base. Elle est là.
Ces lingots de plastacier. Ça, c'est bon. C'est une bonne chose. On est tranquille avec ça. De ce côté-là, ça, c'est fait, comme on dit. Bon. On va commencer à avoir faim. Je vais donc aller manger un coup. Là-dedans, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Alors, le problème, c'est que voilà, je m'en doutais qu'un de ces quatre, on allait finir par tomber dessus. Bouton droit pour déplacer. Il faut que ça pousse. Hop. Alors. Bien, je les prends pour rien, je suis stupide. Voilà. Crac. Alors je sais pas en fait s'ils risquent de se... De se détruire tout seul, regardez. Ou si ça va attendre que ça repousse, tout bêtement. En tout cas... J'allais dire justement... En tout cas, c'est pas mal, j'ai l'impression que je peux en bouffer autant que je veux. Ok, parfait. Bon, c'est pas grave, pour le moment, ça va suffire. Ok, on repart en chasse une fois que j'aurai posé le lithium. Est-ce que je fais ma deuxième barre? Oui. Là, crac. Tais-toi, relais de communication. Ok, ça m'en fait deux. Il m'en faut cinq au total. J'ai pas regardé pour le verre émaillé. Je vais les poser là, hein, par principe. Merde, c'est le lithium que je pose. Oui, bah c'est pas grave. Ah, je suis full. Bon, bah je vais pas le poser là, alors je vais le poser ici, hein. Ok, et le reste ici. Crac. Ok, ça c'est bon. Je peux emporter 6 trucs avec moi, c'est parfait. Je voulais voir aussi ce que c'était que le verre émaillé. Magnésium, verre émaillé, dents de rôdeur et verre. Oh putain, oui, j'avais oublié ce principe. Ah, je trouve ça débile. Bon, ok, ça va pas être drôle là pour le coup, puisque les rôdeurs, qu'est-ce que c'est que les rôdeurs? Bah c'est les espèces de crocodiles bizarres qu'on croise dans cette région justement. À chaque fois qu'ils vont mordre mon truc, ils vont laisser tomber une dent. Pour le moment, c'est pas le moment où je vais les farmer. Il faudra que j'aille chercher cette dent. Mais le problème, c'est qu'un seul rôdeur ne peut me mordre qu'une seule fois. Vous voyez le problème? Donc c'est pas ça, hein. Ça c'est une espèce de poisson normaux. Normaux, tout est relatif, hein, mais... Mais c'est pas de cela dont je parle. J'aurais dit, vous savez, lion ou un truc dans le genre. Que c'est que ce machin qui brille absolument dans le noir? C'est étrange. Bon, ça, je sais ce que c'est, mais j'irai pas le voir, du coup. Ils sont deux, d'ailleurs. Ok. Merci de bien t'envahir. Alors, le simple fait qu'il y ait de la lumière n'est pas bon signe. Ah bah, apparemment, j'avais déjà pris pour autant. Donc c'est... Ah oui, c'est quand j'ai dû faire le... C'est quand j'ai dû faire le... J'ai reset l'univers, comme je vous avais expliqué, pour essayer de réduire les lags. Et donc ça remet tout en place, forcément. Dégage. Par contre, ce serait cool de trouver des débris. Vu que c'est un peu ça que je cherche. Là. En tout cas, je sais pas s'il y a des débris, mais en tout cas, il y en a qui volent, effectivement. Donc c'est plutôt bon signe. Un. Deux. Trois. Les filles. Quatre. Ça fait un bruit très bizarre à chaque fois que j'en récupère un. 5. Et 6, c'est bon. Après, on a scan. Par contre, c'est un endroit génial ici pour récupérer des objets. Ok, la suite. Tiens, d'ailleurs, il y a... En parlant de récupérer les objets, ici, il y a des choses.
Est-ce que je l'ai déjà fouillé ce truc-là? Sans doute. Sans doute, sans doute. On va dire que oui. Ça me rappelle vaguement quelque chose, de toute façon. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Hop, alors. Ok. Ça se passe pas si mal, hein. Honnêtement. Je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup plus de mal, pour être tout à fait honnête. Mais finalement, je trouve que je m'en sors pas mal. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Mais je sais que vous voudriez que je mette des plaques en dessous parce que vous le sentez pas le truc, mais bon. Voilà, je me gare correctement. Voilà, parfait. Vas-y, fais-moi d'autres lingots de plastacier. De toute façon, je pense que les 4 derniers, on va aller les choper rapidement, vous allez voir. Parce que normalement, il va nous rester genre 4 ou 8 trucs à prendre. Donc c'est rien. C'est strictement rien. Crac. Parfait. Donc je fais tous mes lingots de titane au passage. 1. 2. Normalement, il nous en reste un à prendre. Deux titanes au total à récupérer. On va aller les chercher. Si possible, pas trop loin, ce serait vraiment génial. Là, par exemple, ce serait cool si on était. Aïe. Cuivre, je suis con, je lis affleurement de cuivre, je tape dedans. Plomb. Wow. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Ok. C'est pas ce que je cherche. Ah, faudrait que je trouve un débris ici, juste dans le coin, là. Ce serait cool. Ce serait même très cool. J'en vois pas. Oh, je vois des œufs un peu partout. Oh, putain. Hop. Ok, je crois que pour le plastacier, on est bon. Soyons honnêtes. Je crois que pour le plastacier, c'est bon. Phew! On en aura fait un quart. Bellement. C'est peut-être pas la fin de l'épisode non plus, cela dit. Merci. C'est là. 1, 2, 3. Parfait. Et tout le. Voilà. Crac. Ça, c'est bon. Merde, Crody. Titane, voilà. Ce qui m'en fait 3 sur moi. Sur les 2 que j'avais déjà fait, ça fait 5 au total. Donc on est bon. On est très bon. On est même superbement bon. Si je puis dire. Merci. Merci. Oh, merci. C'est pas bon. Voilà. Ok. Bon, ça. Crac, c'est fait. Phew. Bah c'était dur. Il rajoute ça derrière le mec. Non, pas ici. Pas ici. T'es où? Pas là. Pardon. 1, 2, 3. Ce qui nous en fait 5 au total, ça c'est parfait. Lubrifiant, alors le kit de câblage, si ça va être rigolo. Ou alors. On va chercher les dents. Je vois que ça. Je vois que ça à faire. Et après, il faudra qu'on aille farmer du quartz à foison. Donc, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de se planquer quelque part. Tu veux bien venir me mordre? Voilà. Vous voyez, vous lui faites des appels de phare. Vous mettez ici, plus ou moins.
Voilà, normalement, il perd une dent, là. Non, c'est peut-être les sangsues qui me font chier. Est-ce que vous voyez une dent, vous? Moi, je vois que dalle. Moi, je vois rien, hein. Bon. Tu veux bien perdre des dents quand tu me tapes, s'il te plaît? Voilà. Vas-y, perds une dent! Vas-y! Putain, je vais tellement chier à trouver des dents là-dedans. J'aime pas la taille que ça a! Et en termes de flotte, on n'est pas en forme. Il m'en faut combien? 5! 5 fichus dents. Tiens, appel de phare! Appel de phare! Appel de phare! Tu me vois pas? Tu te fous de ma gueule. Mais bute-moi! Alors regardez s'il tombe des dents, mais... Je sais pas vous, je vois rien, perso. Allez-y, les mecs! Mordez-moi, bon Dieu! Non, ça, c'est pas une dent. Allez, vas-y, tu vas bien la perdre, ta dent! Allez! J'ai pas l'impression qu'ils en ont perdu une seule. Dans tout ce bordel. Vas-y, bouffe-moi! Et perds une dent! Non? C'est incroyable! Ah! On va aller regarder sur internet, je pense, parce que là, ça suit. J'ai l'impression que je fais. Soit ça marche pas, soit je fais du caca. Y a-t-il des air sacs dans le coin? Je sais que j'en ai vu plein tout à l'heure, mais quand même. Désolé. T'avais qu'à pas être là. Là, il y en a. Hein? Deux. J'en vois pas d'autres, hein. Tu m'aurais pas vu par hasard. Vas-y, perds une dent. Putain. Je comprends pas. On m'avait dit que c'était comme ça. Je me sens floué, chers amis. Je me sens trahi par le jeu. Oh. Obligé de laguer pour autant. Hein. Crac, voilà. Aïe, voilà. Je me suis coincé la cheville. Non, c'est là, Marcus. La flotte, vas-y. Crac. Allez, on avait dit. Subnautica tous. Stalker tous. Ok, comment on les farm?
caution. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Oui, oui, je m'en occupe, excuse-moi. Je suis en train de lire des trucs intéressants. D'accord. Oh, donc y a que ça comme, comme moyen. Cependant, on peut chercher. Ça, je vais voir là-dessus. Ouais, je vais en prendre deux. Alors, comme je sais que là, ici, il en refait. Voilà, et une deuxième. Merci. Crac. Voilà, ça fait du bien par où ça passe. On va rechercher sur place, chers amis. Malheureusement, on n'a pas d'autre choix, véritablement. Crac. Crac, crac, crac. On n'a pas énormément d'autre choix que de se laisser attaquer, malheureusement. Ce qui m'emmerde assez, je dois l'admettre, pour le coup. Et apparemment, ils en tombent pas tout le temps, hein, donc il vaut mieux rester dedans et attendre de se faire bang-banger la gueule. Parce qu'en plus, en les tuant, on ne les récupère pas. Vas-tu y arriver à me taper ou pas? Putain! C'était quoi ça? Ah non, c'était ça qui allait me passer devant le nez, tout bêtement. Là, il y en a une, regardez. Dendrodeur, ça en fait une. Alors faut regarder autour de ces trucs là, des fois il y en a. Parce qu'en fait en les prenant ils en lâchent des fois. Je fais des appels de phare pour voir si ça l'intéresse mais... Non, apparemment là il l'a pas... Il l'a pas lâché. Si, si. Putain. Ah non c'est du calcaire. Je prends. Sait-on jamais? Par contre, il s'en est allé loin. Problème, c'est que j'en ai qu'une, il m'en faut 5, merde. Il y a des ressacs par là aussi. J'en vois pas, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en vois pas. Et bizarrement, tout à l'heure, on en voyait 3 ou 4 des machins, et là, on n'en voit plus du tout. Là, il y en a un. Tu veux m'agresser, s'il te plaît? Pas une ça? Non. Non plus. Vas-y, viens, chaton. Bah, dis donc, si avec ce coup-là, t'en as pas paumé une. Pas l'impression pourtant. Merde! J'ai l'impression de perdre mon temps en plus à faire ça. Je sais pas pourquoi. T'es pas venu m'attaquer? Putain, je regarde partout où ils en prennent, hein, mais. Je ne vois que dalle.
Ça, il y en a un paquet pourtant par là. Vas-y, mords-moi. 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 Alors là, s'il n'y en a pas une qui tombe. Ça te plaît? Le goût te plaît? Le problème, c'est que ça peut tomber n'importe où. Moi, je vois rien tomber. Hein. Je sais pas vous, hein, mais... Moi, je vois que dalle. Hein. Ah ouais, j'ai bien compris. Toi, tu fais pas le poids. Mais tu tentes quand même. Bonjour. Aurais-tu l'amabilité de me passer une dent, s'il te plaît? T'aurais pas une dent contre moi? J'en ai une, ça. Dent de rôdeur. J'ai plus qu'à rester dans le coin finalement. Parce que là elles vont toutes tomber dans le fond. Putain, là c'en est une aussi, non? Prends un enflorement. Ersac. Et les mecs, vous êtes partis ou quoi? Bien ou bien? Aïe, j'avais oublié que ces trucs-là étaient solides pour le coup. Ce qui m'en fait combien à l'heure actuelle? Deux. J'ai deux dents de rôdeur. Vas-y, toi je te sens bien là. Vas-y. Putain! Le sac, il m'en a lâché une. 3. Non. 4. Allez, plus qu'une, les filles. Ah bah. Moi, il y en a un qui essaye. Hein. Il y en a un qui se donne hein, pour me filer une dent. Hein. C'est génial. Hein. Regardez, là, il y en a un en haut. Je le sens bien aussi. Me laisser une dent quelque part, non? T'as bien une dent contre moi. T'as bien... Putain... Non. Non, non, non. Marcus Boni... Marcus Bonus, dentiste de son état. Dentiste animalier. Attention. Qu'est-ce que ça change dans les faits? Bah, y en a un qui peut te bouffer, l'autre pas. Bonjour. Fallait pas passer par là. Bon, toi, je te vois. Je te vois! T'as pas une dent contre moi? Tant que je t'ai tapoté le cul, je sais pas. Ou alors ta femme, peut-être? Ou ton mec, hein, j'ai encore des doutes sur votre sexualité en soi. Hein. Désolé, mais j'ai encore du mal à vous reconnaître tous. J'ai reconnu Jean-Pierre tout à l'heure, il m'a filé une dent. C'est justement avec ça que je l'ai reconnu. Putain, il y en a une. Merde, je vois pas l'endroit où j'ai visé. Là, ça n'est pas une, ça? Débris métallique. Merde, je me suis planté. What? Cette saloperie est à l'intérieur. Et je peux pas voir mon menu. Oh putain, d'accord, faut que je pensais qu'il fallait que je prenne mon couteau, moi. Que c'était le seul moyen. Mais là, c'est le seul moyen que j'ai de crever, surtout. Ok.
c'est que cette ombre moisie complètement rectangulaire? Je, tu me respectes, s'il te plaît. Ok, bon. On farme des dents, mais on en chie. Hein. Enfin, j'aimerais bien en chier des dents, des fois. Parce que là, pour le coup, ce serait bien plus rapide. Oh, le coup de crever bêtement, Marcus. Là, c'était... Ok. Ok, on respire. Il faut que tu respires. Il y en a qui vont mourir de rire. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a deux bouteilles, voire trois bouteilles d'eau, je crois, de mémoire. Hein, donc, non, deux. Bah, écoute, deux, alors. On va les boire maintenant. Ça fait du bien par où ça passe. Ok. On y retourne. Dernière dent, chers amis. C'est parti. Bonjour. J'ai sans doute génocidé, ou dans tous les cas, je vais le faire, une partie de votre famille. Souhaitez-vous me croquer? Ah. Bonjour. As-tu laissé une dent derrière toi? Apparemment non, même si tu t'as mis... C'est pas ce qu'on appelle prendre des risques. C'est faux. Vous vous trompez. C'est pas parce que le mec s'amuse à entre deux bouts de métaux en prendre un puis en prendre un deuxième parce qu'il a pas, il a pas compris qu'il peut pas en prendre les deux en même temps que je ne peux pas sortir pour aller récupérer la dent qui est tombée. J'ai 5 dents. C'est génial. C'est absolument génial. Je freine un gros coup et c'est bon. Crac. J'ai 5 dents contre toi. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Je prends ça. Bah non, en fait, je peux le laisser. Vu que c'est pas du tout ici que je vais... Que je vais faire quoi que ce soit. C'était plutôt là, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il va me falloir 10 quartz, maintenant. 9, vu que j'en ai déjà un. C'est pas là que j'ai mis le titane. C'est là. J'aimerais aussi voir un truc vite fait, très très vite, c'est, voilà, c'est ça. J'aimerais déposer ça parce que ça m'intéresse pas, j'aimerais déposer ça parce que ça m'intéresse pas. Ok, donc. Ah, il me faut du quartz, d'accord, ok. Il me faut du quartz pour faire une boîte, ça me semble logique, dit comme ça, je... Pourquoi pas. Ok, bon, du quartz. On est où dans les pièges, chers amis, au passage? 32 minutes? Eh ben, on continue un peu, on va acheter du quartz. Tant pis, je sais, je retrouve plus ma fenêtre, c'est là. Salut, l'ami. Quoi? Alors, on va retourner du côté du coup de la base, enfin de notre life pod, hein, de base. Et on va chercher un petit peu dans le coin. Masse quartz. Une fois qu'on aura masse quartz, ce sera bon. Parce que le lubrifiant, c'est facile. Il nous faudra encore, je crois, un quartz pour le kit de calvage avancé. De toute façon, je pense qu'on va, on va essayer de se mettre full quartz dans, le, dans les poches, là. Et on verra bien ce que ça nous donnera derrière. De toute façon, il était grand temps d'en chercher. On m'avait dit une fois d'aller chercher dans ces trucs-là. Je veux bien, mais je pense pas que cela soit ceux que vous me disiez. Il ne semble pas être assez gros. En tout cas, je me dis qu'on est dans la bonne région, vu que c'est très très beau dans le coin. Et que ça me rappelle la première région. Tiens, regardez, il y en a deux. Aïe, putain, à chaque fois je me fais baiser. Hop. Deux. Trois. C'est bien noir dans le coin. Quatre. Je sais pas ce que t'es, mais tu m'inspires pas confiance. Cinq. Six. Sept. Ah. Oh. Oh.
D'accord. Ok, je... Je vois. Pourquoi pas? On respire. On y retourne. Ah, merci les amis, vos conseils sont bons. Oula, danger. Masse quartz. Par contre, c'est pas le moment de laguer. Pas quand t'es full sous l'eau, quoi. C'est plus ou moins de là que je viens. D'accord. Cool. Cesse de te foutre de ma gueule! Ah, et puis il y en a un qui a pété. Quand vous entendez plus, faut mieux se barrer très très vite. Hein. Conseil d'amis. Ok. On en est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça me semble pas mal. On arrondit encore à 2 de plus. Ça fera 15. 1. Il faut bien avoir un juste à côté. Oui, je sais, j'ai la dalle. J'ai bien compris, merci. Et 5. Parfait. Est-ce qu'on se pêche 2-3 poissons, vu qu'on est dans le coin? 1. Bah alors, Piper. Ça, c'est pour la flotte. Tu veux bien venir? Tu veux bien le prendre, s'il te plaît? Merci, voilà. 2. 3, 4. Voilà, je pense qu'on a de quoi bouffer là. Hein. Honnêtement, je pense qu'on est calé niveau bouffe. On peut rentrer à la base, hein, sans problème. Normalement. Ok, et on est bon. On y va. Bon, bah, vous voyez comme quoi finalement, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. Pour être tout à fait honnête avec vous. Mais non, on a fini par trouver masse quartz. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose. Il m'en faut 5. J'en ai 15. J'aurai donc normalement 5 quartz de plus. Si je me trompe pas. J'aurais peut-être dû prendre 6. Comme ça, j'aurais 3 verres en plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon. No susai, man. No susai. On a un message qu'on peut voir à droite en train de nous dire qu'on en a un... Là-bas, mais enfin bon, c'est pas ça qui compte selon moi pour le moment. Pour le moment. J'ai peur cependant qu'il nous l'ouvre dès le moment où on va rentrer dans le vaisseau. Ça me semble être clair, net et précis. Ok. Voilà. Aurora, c'est Sunbeam. Nous avons fait orbit et les scans ont trouvé un site de landing sur la planète qui est seulement rated hazardous. D'accord. Nous avons envoyé les coordonnées. There in 2 days time. Cross your fingers, the weather holds. And don't leave us waiting. Sunbeam out. Et 5. Ok, parfait. Bon. Un petit peu d'eau. Crac. On a 1 km, c'est bon, on a largement le temps de le faire. Ok, et maintenant de la bouffe. Oula, j'ai une crampe dans la main, excusez-moi. Crac, on est bon. Miam, miam, miam. C'est bon, on peut tout manger. Parfait. J'ai eu un doute. Est-ce que je le mange, est-ce que je le mange pas? Ok, donc on peut récupérer les dents au passage. On va les faire. On va l'utiliser, pardon. Là, t'as rien à me proposer, merci. Je veux bien le prendre pour le coup. Voilà. Crac. On fait tout ça. Donc, ce qui fait qu'on aura fait tout ça, il me faudra encore le kit de câblage avancé. Ensuite, derrière. Parce que le lubrifiant, ça va être une formalité, hein, chers amis.
Vous le savez, de toute façon. D'ailleurs, pour la prochaine fois, regardez. Pour la prochaine fois. Ok. Voilà. Pour la prochaine fois. Crac. Ah, j'ai pas le droit de prendre la dernière. Voilà. Et crac. Voilà, comme ça on est full. Et ça va pouvoir pousser. Ok, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Pour la prochaine fois, on aura donc plein de vignes avec potentiellement plein de lubrifiants. Ça c'est bon, je voudrais juste maintenant revoir une dernière fois notre truc de câblage avancé. Donc ça va être dans l'électronique, pardon. Il va falloir un circuit intégré plus deux ors. Les deux ors je les ai, le minerai d'argent je les ai. Les échantillons de corail plat minerai d'argent je l'ai. L'or je l'ai. Deux ors je l'ai. Échantillons de corail plat par contre je ne vais pas les avoir. Je vais aller les chercher maintenant. Je vais aller les chercher avec ça. Ce sera fait, chers amis, comme ça. Je préfère encore qu'on parte sur un épisode où on va pouvoir, dès le départ ou presque, commencer à construire quelque chose. Ça me semble être ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Oula, je vais dans la région du lag. Welcome to the lag zone. Highway to the lag zone. Non? Non, vous connaissez pas? Je me sens vieux? Ok, c'est pas grave. Danger Zone, c'est pour ceux qui connaissent pas. C'est partie de la bande-son de Top Gun. Pour ceux qui connaissent pas, eh ben, y a du boulot. Hein. Non, casse-toi, sérieusement, casse-toi, ça vaut mieux, voilà. Est-ce que ça, c'est du corail plat ou pas? Coquille corallienne. Merde, c'est pas ce que je cherche. Casse-toi, tu pues! Et marche à l'ombre! Ça c'est du Renault, je suis pas forcément fier d'enchanter. Désenchanté. Ça par contre ça ressemble à du corail plat. Oui c'est du corail plat. Par contre il va me falloir mon couteau. Ok, c'est bon. Crac. Je dois avoir largement ce qu'il faut. De toute façon, je crois que j'en avais déjà même dans le vaisseau. Donc, pour la blague. L'avantage, c'est que sur moi, je dois tout avoir, là, pour le coup. What the fuck? C'est pas suffisant, ce que j'ai mis? D'accord, il y a une entrée d'eau quelque part. Ah. Là. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Merci. C'est quoi ce bordel? Ça fait un vieux bruit de craquement, hein, je veux pas dire, mais... Ça fait un vieux bruit de craquement. Donc. Crac, crac, crac. Circuit intégré. Et enfin, kit de câblage avancé. Donc là, on a tout sauf le lubrifiant. Ok, bon. Eh bien, chers amis, du coup, nous, on se laissera là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop!